Bonsoir à tous. Après cette tempête en mer, voici maintenant les quatre saisons fameuses de Vivaldi qui ont été composées à partir de sonnets que lui-même apparemment a écrits. Donc cette musique est totalement descriptive. Et je vais vous lire chaque sonnet. Avant ceci, je vais vous expliquer pourquoi je me retrouve à jouer, alors que je ne suis pas violoniste, ces quatre saisons. Alors, la première, le printemps, je vais vous l'interpréter sur cet instrument qui est une musette baroque. C'est une petite cornemuse qui a été jouée spécifiquement en France au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et en particulier, les Chédeville, qui est une des grandes familles d'instrumentistes avant, au XVIIIe siècle, eh bien, ont composé et puis ont fabriqué ces instruments. Et donc Nicolas Chédeville, le plus fameux d'entre eux, a arrangé le printemps pour cet instrument, la musette baroque. Voilà, on disait musette à l'époque. Et donc c'est cet arrangement que nous allons vous jouer maintenant, suivi de trois adaptations des autres saisons pour la flûte que j'ai faite simplement en adaptant uniquement la partie de soliste. Le printemps. Allegro. Voici le printemps que les oiseaux saluent d'un chant joyeux et les fontaines au souffle des zéphyrs jaillissent en un doux murmure. Ils viennent, couvrant l'air d'un manteau noir, le tonnerre et l'éclair messagers de l'orage. Enfin, le calme revenu, les oisillons reprennent leur chant mélodieux. Le largo, qui est le mouvement lent donc, est sur les prés fleuris et tendres, au doux murmure du feuillage et des herbes, dort le chevrier, son chien fidèle, à ses pieds. Vous entendrez le chien aboyer avec l'alto, oh, oh, au loin. Et enfin, l'allegro, au son festif de la musette. Vous voyez que Vivaldi a représenté la musique qu'on jouait sur ses cornemuses, peut-être d'autres en Italie, mais enfin des voisines de celle-ci. Au son festif de la musette, dansent les nymphes et les bergers sous le brillant firmament du printemps. Thank you.
Thank you.
L'été. Allegro non molto allegro, sous la dure saison écrasée de soleil, hommes et troupeaux se languissent et s'embrasent le pain. Le coucou se fait entendre et bientôt d'une seule voix chante la tourterelle et le chardonneret. Zéphyr souffle doucement, mais tout à coup, Boré s'agite et cherche querelle à son voisin. Le pâtre s'afflige, car il craint l'orage furieux et son destin. Le mouvement lent, adagio, à ces membres-là, le repos est refusé, la crainte des éclairs et le fier tonnerre et l'essaim furieux des mouches et des temps. Ce coup-ci, les mouches et les temps, pendant le sommeil, ce sont les violons qui vont les représenter. Presto, ah, ces craintes n'étaient que trop vraies, le ciel tonne et fulmine, et la grêle coupe les têtes des épis et des tiges.
Par des chants et par des danses, le paysan célèbre l'heureuse récolte et la liqueur de Bacchus conclut la joie par le sommeil. Voilà, donc l'automne, c'est les vendanges. Et à la fin, vous entendrez, à la fin du premier mouvement, vous entendrez cette section en notes longues qui symbolise donc le sommeil. Le mouvement lent est également un sommeil, le mouvement lent qui suit. Chacun délaisse chants et danses, l'air est léger à plaisir et la saison invite au plaisir d'un doux sommeil, également avec ses notes tenues. Le dernier allegro, le chasseur part pour la chasse à l'aube avec les cors, les fusils et les chiens. La bête fuit et ils la suivent à la trace. Déjà emplie de frayeur, fatiguée par le fracas des armes et des chiens, elle tente de fuir, exténuée, mais meurt sous les coups. Et là, vous entendrez les coups de fusil qui sont symbolisés par ces notes brèves et très attaquées aux cordes. Thank you.
Thank you.
L'hiver. Premier mouvement qui nous raconte trembler violemment dans la neige étincelante au souffle rude d'un vent terrible, courir, taper des pieds à tout moment et dans l'excessive froidure, claquer des dents. C'est les dents qui claquent. Vous allez reconnaître. Le mouvement lent, passer auprès du feu des jours calmes et contents alors que la pluie dehors verse à torrents. Alors là, vous allez entendre le feu qui crépite. Voilà monsieur feu qui crépite. Et puis les gouttes de pluie contre la fenêtre. Messieurs gouttes de pluie, si je puis me permettre, c'est un joli nom. Et enfin, marcher sur la glace à pas lents de peur de tomber, contourner, marcher bravement, tomber à terre, se relever sur la glace et courir vite avant que la glace ne se rompe et se disloque. Sentir passer à travers la porte ferrée sirocco et boré et tous les vents en guerre. Ainsi est l'hiver, mais tel qu'il est, il apporte ses joies. Thank you.
Thank you.
Merci beaucoup. Nous sommes très heureux de, d'avoir pu célébrer cet anniversaire de ce lieu si important pour la musique ancienne en particulier, en tout cas, et qui est le répertoire qui m'intéresse. Donc merci à toute l'équipe d'Ambronay de nous avoir permis de jouer ici, de passer cette soirée avec vous. Nous avons quelques bis. Nous allons vous jouer le premier. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais enfin. C'est comme ça. Merci. Donc nous allons vous jouer maintenant le mouvement lent du concerto en do majeur pour petite flûte, flautino, donc de Vivaldi. Ce mouvement lent est lui-même en mi mineur et vous allez voir tout le... Enfin, on entend tout l'opéra italien derrière dans cette mélodie qui est une sicilienne.
Après l'annonce que j'ai faite, je vous remercie d'avoir légèrement bissé, c'est gentil. Je me sens moins... nous allons vous jouer une suite de musique irlandaise. Je ne sais pas, peut-être que certains étaient ici l'an dernier. Nous avons donné un concert consacré à la musique écossaise ancienne, un programme intitulé Forever Fortune. Et nous avons également tourné un programme consacré à la musique irlandaise ancienne. Donc voici une suite qui s'appelle When She Came, Ben She Bobbit. Quand elle est arrivée, elle a fait une révérence. Et donc c'est une suite de variations, et puis qui se finit par un reel, donc une danse irlandaise. Et donc vous aurez des variations sur la même basse, qui sont de James Oswald et de O'Carolan. Oswald est un compositeur écossais, Oswald est écossais et O'Carolan était irlandais, le grand compositeur irlandais à la même époque, au début du XVIIIe siècle. Thank you.
Merci beaucoup. Alors, pour finir cette suite de bis, nous allons vous jouer une... C'est pas comme ça qu'on dit ? Non, sérieusement, nous allons vous jouer la badinerie. Non, il ne faut pas le dire. Nous allons vous jouer quelque chose que vous allez reconnaître. Voilà, c'est un tube. Merci beaucoup. À bientôt.